Coucou tout le monde, c'est Lorraine, je vous retrouve pour le vlog de la semaine du 21 septembre. Alors voilà, qu'est-ce que je regarde quand je fais du diamond painting. Là, il y a un écureuil qui mange des graines d'oiseaux qui sont tombées de ça là, de la mangeoire. Et là, vous avez raté, il y avait un petit écureuil, un petit suisse. Enfin, en tout cas, c'est moi qui était trop tard. Je vais arrêter la vidéo là, parce qu'ils sont partis. Ah, non, il est revenu. Vous voyez comme il est mignon? Ça, ils appellent ça des écureuils suisses ici au Canada. Ils mangent les graines qui sont tombées. Il est trop mignon. Et généralement, il va dans la menthe, là, et il la mange. Et je m'énerve contre lui, mais là, ça va. Il est trop mignon. Alors, il vient tous les jours. On l'appelle Alvin. Alvin le chipmunk. Donc, c'est ça. Tous les jours, il vient manger des graines qui tombent. Il vient me dire bonjour et Luna, elle s'énerve. Là, elle est derrière moi, là, mais... Il est où, là? Il est là. Oups! Ok, je vous retrouve tout de suite devant mon diamond painting. Ok, donc ça, c'est le diamond painting que je commence ce soir. On est mardi. J'ai pas filmé hier. J'ai pas eu le temps. J'étais occupée à enlever les diamants de mon autre projet. Je vais en parler un petit peu d'ailleurs, mais avant d'en parler, je voulais juste vous montrer en fait. Je travaille sur ça, c'est un petit partiel. Je vais essayer de dézoomer, tac, comme ça. Excusez-moi, vous voyez la panique là. Donc c'est ça, c'est un petit partiel. Il n'y a pas de taille, mais je vais vous faire une vidéo de présentation de ce produit. Et pour vous montrer la qualité des symboles. Et la taille et les différents diamants qui se trouvent dedans. Et vous allez voir en deuxième partie de vidéo, comme d'hab, là, ce que j'en pense. Donc là, c'est ça. Là, j'attends. Je vais juste lever un petit peu, monter un peu la caméra. Non, la descendre, au contraire. Tac, comme ça. Et ouais, je me suis dit que j'allais travailler sur ce diamond painting. Parce que oui, comme je disais, là on est mardi et j'attends les votes pour la prochaine toile. Donc je me suis dit que j'allais attaquer un petit partiel. Donc oui, je disais que hier j'ai décidé de ranger mes diamants du projet de Treasure Studios Art. Enfin, en tout cas, parce que c'est ça, parce qu'ils sont petits, j'ai décidé de ne pas les garder. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis dans un gros bocal en verre, et après, ça ira au recyclage. Mais je ne les ai pas gardés parce que je sais que je ne vais pas commander d'autres diamond painting de cette compagnie. Oui, donc je disais, j'ai décidé de ne pas les garder parce qu'ils sont, ben, de un, ce sont des diamants plus petits que ce qu'on a normalement dans un kit. Et de deux, ben, je sais que je ne vais pas recommander des ronds de cette compagnie. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas les garder. Donc, j'ai enlevé tous les diamants de tous les contenants. Je les ai mis dans un gros bocal et j'ai nettoyé les contenants parce que l'étiquette, là, ça laisse quand on l'enlève, ça laisse une petite portion qui colle. Et vous pouvez utiliser de l'alcool. J'ai regardé sur internet hier et j'ai utilisé de l'alcool à 70% pour enlever la partie qui collait. C'est pas très pratique ça. J'essaie de trouver comment procéder pour faire ce diamond painting. Je suis sur le 1 en ce moment. C'est cette couleur. Tac. C'est un joli bleu. Donc c'est ça, j'ai fait ça hier soir, ça m'a pris quoi, peut-être une demi-heure à faire ça? Moi, peut-être plus même, parce qu'il y avait pas mal de contenants, et passer tout à l'alcool là pour enlever, ben ouais, ça a pris du temps. Et j'ai décidé que j'allais commencer un petit partiel en attendant. Donc vous l'aurez déjà vu la vidéo pour les votes, parce que cette vidéo elle va être publiée soit vendredi soir, soit samedi sur la chaîne. Et j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va être choisi. Je crois que là, j'ai regardé cet après-midi, mais au niveau des votes, je pense que c'est la femme habillée en rouge qui remporte. Donc on va voir. Il reste un peu moins de 24 heures. On va voir si ça change.
Et puis demain, une fois que je comptabilise. J'arrive pas à parler. Celle qui aura le plus de votes, en fait, je vais faire une petite vidéo, mais vraiment rapide, je pense, pour vous montrer quelle toile je vais faire. Et je vais mettre mes diamants, je vais ranger mes diamants dans les contenants et je serai prête à la commencer demain soir, certainement. Parce que demain soir, on n'a rien. Non, il fallait que j'aille à la poste ce soir, mais demain soir, j'ai rien. Donc c'est ça le plan pour le diamond painting. Le week-end dernier. Oh, excusez-moi. Le week-end dernier, on n'a pas fait grand-chose non plus. On est resté à la maison. On a fait du rangement. Je crois que samedi, j'étais pas très bien. Samedi, je me sentais pas très bien, donc j'ai pas fait grand-chose. J'ai même pas fait de diamond painting. Pas tant que ça, en tout cas. Dimanche, j'ai fait un peu plus de diamond painting. Ouais, les températures, comme j'ai dit, se rafraîchissent. Ça se rafraîchit, en tout cas. Là, on est bien. Là, cette semaine, on est bien. Le matin, il fait encore un peu frais, mais là, il fait super beau dehors. Moi, j'ai une manche longue avec les birks. Là, je suis bien. Je suis allée sortir avec Luna. Elle était contente que je sois avec elle dans le jardin en arrière. C'est ça, on a passé un petit peu de temps dehors. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, alors j'ai filmé les vidéos. J'ai filmé les vidéos qu'on avait. Je crois que j'en avais parlé dans ma vidéo vlog de la semaine dernière. J'avais parlé de la. Alors, la vidéo sur la façon dont je range mes diamants à la fin d'un projet. Donc, cette vidéo, elle a été filmée et je pense qu'elle va sortir. Alors, j'ai ma feuille là parce que je mets tout sur un calendrier. J'essaie d'être organisée. Je pense qu'elle va sortir le 7 octobre. Donc, vous allez voir comment j'organise mes diamants. Carré et rond. Vous allez voir comment je fais ça. Et celle-là, je l'ai filmée, je pense, hier soir ou avant-hier. Et elle est sur YouTube, mais c'est ça. Elle est inactive en ce moment, la vidéo. Enfin, inactive. Ouais, elle est. Je sais pas comment. Elle n'est pas publique, en tout cas. Et l'autre vidéo que j'ai filmée, c'est. Je sais que j'en ai filmé une autre, mais j'essaie de me rappeler c'était quoi. Ah non, je ne l'ai pas encore filmée, mais j'aimerais la filmer soit ce soir, soit demain. C'est la vidéo pour déterminer la grandeur d'un diamond painting quand vous en achetez un. Surtout d'AliExpress où on vous donne le choix pour la taille et que vous n'êtes pas sûr quoi prendre. Donc je vais faire la vidéo de. Ça s'appelle Pixel Stitch, le site. Et ça va vous permettre de déterminer quelle taille choisir quand vous êtes sur AliExpress pour une image. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais faire ça quand? Ouais, peut-être demain. Je pense que je vais faire ça demain. Et là aujourd'hui, j'ai reçu des stylets d'une Québécoise qui tourne les crayons. Donc j'ai fait une petite vidéo sur ça. Donc vous allez voir ça dans les semaines qui suivent aussi un mercredi. Ça sera sûrement la semaine d'après, donc le 14 octobre certainement. Ben non, normalement le mercredi je mets des tutos ou des. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la mettre celle-là. Donc il y a deux stylets. C'est très bien. C'est très très bien. Je vais vous mettre les liens comme d'habitude sous la vidéo. Il y avait quoi? Il y avait aussi. Ah oui, il y avait des washi tape ou un washi tape que ouais, j'ai attendu parce qu'elle avait qu'un. Je me suis dit, je ne vais pas faire une vidéo qu'avec un washi tape. C'est un peu bête. Donc il y a un washi tape d'AliExpress et il y a des strass. Il y a deux sachets de strass, un bleu et un vert. Donc j'ai tout mis dans la même vidéo.
Et je sais pas quand est-ce que je vais la sortir. Je veux dire, je ne l'ai pas encore mise sur mon ordinateur, mais ça, ce sont quelques vidéos que vous allez voir sur la chaîne bientôt, j'espère. Donc voilà en termes de DP et de vidéos. Ah Luna, tu nous fatigues. Ben, en tout cas, tu me fatigues. Tu es tout le temps en train de râler. Je sais pas si vous l'entendez en arrière, mais elle se plaint. Je sais pas pourquoi elle se plaint d'ailleurs. Parce qu'elle voit même pas Alvin là. Moi, je le vois, il est encore là. Il y a les oiseaux au-dessus qui mangent et du coup, il y a les graines qui tombent et lui, il est en dessous. Ouais, c'est pas mal comique. Et elle est dans la chambre, elle se plaint. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a. Qu'est-ce que je voulais vous mentionner? Je crois que c'était tout en termes de trucs reliés au DP. Et je sais pas. Je sais pas si je devrais le mentionner maintenant en fait. Ouais, peut-être que je vais vous le dire. Donc il y a Craft Ebly. Je pense qu'il y a les deux vidéos sont sorties déjà sur la chaîne. C'était la vidéo de. Alors, la femme avec la masque. Ouais, elle était sur le côté là. Je pense que c'est la première Craft Ebly qui est sortie sur ma chaîne. Et la deuxième, c'est la femme allongée, que d'ailleurs, elle est dans les choix pour cette semaine. Alors, ben, j'ai reçu une surprise aujourd'hui. Donc, ça a été. Ils l'ont expédié avec FedEx. Et aujourd'hui, j'ai reçu une facture de FedEx de 55 dollars canadiens. Donc, déjà que les frais d'expédition, c'était de 33 ou 35 dollars par toile. Alors, recevoir ça, j'étais pas vraiment contente. Parce que là, l'expédition, du coup, elle monte à. Elle monte à plus de 100 dollars en fait. Quand vous rajoutez le 50 et quelques plus 30 plus 30, ouais, oui, ça monte au-dessus de 100 dollars facile. Alors j'étais vraiment pas contente. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté le proprio, Michael, et je lui ai demandé est-ce qu'il y a moyen que vous me remboursiez les 50 dollars? Parce que je veux dire, moi j'ai déjà payé pour les frais d'expédition. Ah, j'en ai. Il y en a un autre là. Et il le marque pas sur le site que ça se pourrait qu'il y ait des frais supplémentaires. Diamond Art Club, il le marque. C'est clair là. C'est en rouge. C'est marqué que de temps en temps, ben, quand ça passe aux douanes, il y a des frais. Il y a des frais supplémentaires. Mais Craft Ebly, j'ai regardé sur leur site tout à l'heure avec mon mari, on n'a rien vu. Donc je les ai contactés. On va voir qu'est-ce qu'ils vont me dire. On va voir s'ils vont proposer de rembourser ce montant-là. Et je vous tiendrai au courant. Je ne sais pas s'il a répondu. Attendez, laissez-moi regarder. Parce que j'ai mon email d'ouvert. Non, il n'a pas répondu encore. Je l'ai contacté à peu près 1 heure de ça. Mais ouais, je pense que ça, c'est parce qu'il déclare en fait la valeur du DP. La valeur qu'on paye. Et du coup, ben ouais. Donc pour ceux qui sont au Canada et même en France, faites gaffe. Je préfère vous le dire d'avance que vous ayez la surprise parce qu'il déclare la vraie valeur. Diamond Art Club, il déclare pas la vraie valeur, il déclare quelques dollars là. C'est pour ça que vous ne payez pas de frais de douane. Mais ouais. Avec Craft Ebly, c'était la surprise de la journée. Alors j'étais pas trop contente. Ouais. Sinon, alors attendez, la vidéo elle a combien là? Parce que les longues vidéos là, à 13 minutes. Ok, je vais rester un petit 5 minutes de plus. Là, je voulais parler de quelque chose qui est vraiment, mais pas relié au DP, mais du tout. Et je ne sais pas si ça vous intéresse d'entendre des trucs comme ça sur la chaîne, mais mon mari et moi, une fois de temps en temps, on commande des boîtes Good Food. Alors, les boîtes Good Food, pour ceux qui sont au Canada, peut-être que vous savez ce que c'est des boîtes que vous pouvez acheter sur Internet et elles contiennent les ingrédients pour faire des recettes. Des ingrédients frais. Même les pâtes sont fraîches. Et c'est excellent. Donc, si quand vous allez sur le site web, ils ont plusieurs plans à vous proposer. Et je pense que le minimum, c'est 3 recettes par semaine. Et le maximum, c'est 5 recettes par semaine. Et ils ont de tout. Ils ont des repas végétariens. Oh mon Dieu, des poils. Hein. Ils ont des repas végétariens, des repas. Ils ont toujours quelques.
quelques options avec du poisson. Ils ont aussi, ou ils ont toujours de la viande. Et c'est varié, c'est très varié. Et nous, on aime ça parce que souvent, ce sont des recettes qu'on ne va pas faire. Qu'on va pas faire ici, là. Parce que bon, c'est des ingrédients qu'on n'achète jamais, des épices qu'on n'achète jamais. Et on se dit, bah, une fois de temps en temps, on se fait plaisir, on achète ça. Alors, c'est pas donné. Je crois que pour 3 repas par semaine, c'est 70 $. Mais on a remarqué que les repas thaï ou vietnamien ou indien ou tout ce genre-là, là, avec du riz ou des nouilles, souvent ça fait 2 repas en fait. Ils disent que ça fait un, mais pour nous c'est trop. Et du coup, il y en a assez pour un. Alors attendez, en France c'est un dîner, mais au Québec vous dites quoi pour le repas du soir? Un souper? Je sais plus. Et on en a assez aussi pour le jour d'après, pour le lunch, pour le déjeuner. Ou le dîner pour les Québécois. Oui, parce que je pense qu'au Québec, ici, on dit dîner pour le midi. En France, on dit déjeuner pour le midi. Et pour le repas du soir, au Québec, c'est, je crois que c'est souper. Corrigez-moi si c'est pas, c'est pas correct ce que je dis. Mais je pense que le soir, c'est le souper au Québec. Et en France, c'est le dîner. Alors bon, je pense que je vais dire repas du soir et repas du midi. Donc oui, en gros, ce que j'essaie de dire, c'est ça donne assez ce type de repas pour un repas pour le soir et un repas le midi le lendemain. Surtout pour ça. Après, bon, c'est vrai que les burgers, les trucs comme ça, les steaks, non, c'est pas assez, mais on essaie le plus possible de prendre des trucs qui sont vraiment différents. D'ailleurs, on commande ça une fois, je sais pas, une fois ou 6 ou 8 semaines, là, quand c'est vraiment quelque chose de différent. Et là, alors ce soir, on a décidé, je vais vous montrer ça. On a décidé de faire celui-là. Je vais vous les montrer à tous les jours au vlog, qu'est-ce qu'on a décidé de faire. On a décidé de faire ça. Je vais enlever le zoom. Alors, c'est ça. C'est du halloumi, c'est du fromage avec du zaatar et du miel et des carottes rôties avec du couscous en perles. Donc, c'est un peu plus gros que la semoule qu'on a l'habitude de voir. Du hummus et je sais pas, ils appellent ça du ajvar vinaigrette. Mais la photo, c'est trop beau, hein. Le halloumi, c'est trop bon. Et cette recette, on l'avait déjà prise, elle est excellente. Elle est trop bonne. S'il y en a certains de vous, là, au Canada, qui prenaient du goat food, là, cette recette, elle est vraiment bonne. Et pourtant, mon mari n'est pas très végétarien, là. Lui, il aime sa viande. Mais le halloumi, c'est bon. C'est du fromage qui grille. Donc, quand vous le mettez à la poêle, ça fond pas. Ça grille. Je sais pas s'il y en a en France. Moi, j'ai découvert ça, c'était quand? L'année dernière, peut-être? Ou il y a 2 ans? Et c'est vraiment bon sur des salades pour éviter de manger tout le temps de la viande ou quoi. Et j'adore ça. Mon mari, il aime ça aussi. Donc, on a vraiment hâte au repas de ce soir. Parce que, ouais, ça fait. Je crois que la dernière fois qu'on a mangé ça, c'était quand même il y a 2 mois de ça. Et les recettes, elles reviennent en fait. Les recettes qui sont pas mal populaires. Elles reviennent et nous, quand on a vu ça, on a sauté dessus parce que c'est vrai qu'on s'était régalé. Et ça, c'est une de ces recettes qui est vraiment différente. Et on paierait en fait pour avoir ça. Donc, et on sait que ça va nous faire un repas demain. Je crois que je vais faire quelques carottes en plus que j'ai ici là. Et comme ça, demain midi, j'aurai pas. Parce que la dernière fois, je pense que j'avais dû utiliser des carottes le lendemain. Ouais, j'ai dû cuire des carottes, mais là je pense que je vais juste en faire en plus ce soir. Comme ça va être prêt pour demain midi. Parce que moi, le midi, quand j'arrête le travail, j'aime bien avoir des trucs qui sont prêts. Pour pas avoir à cuisiner. Parce que ouais, j'essaie de faire ça rapidement. Donc voilà. Donc je pense que je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais un peu travailler sur ce diamond painting ce soir. Je ne sais pas combien je vais en faire. Il y a beaucoup de diamants à placer sur celui-là. Il y en a énormément. Donc ça va me prendre un peu de temps. Mais je vous retrouve demain. Et puis on va continuer à travailler sur ce dépôt ensemble. Ok, à demain. Bye. Salut, on est le mercredi 23 septembre. Je me suis dit que j'allais inclure une petite vidéo de bébé Luna aujourd'hui. Ben, moi, je l'appelle encore bébé parce que c'est mon bébé là, mais. Elle a 4 ans. Alors regardez ça. Regardez sa position ce matin.
C'est le matin en fait, je travaille là, mais je me suis dit, ah, c'est rigolo ça, je vais le mettre dans le vlog. Mais ouais, il y a une pâte qui. Elle est complètement repliée sur elle-même. On voit même pas l'autre pâte avant en fait. Elle est sous son corps, tac, comme ça. Luna, qu'est-ce que c'est cette position maintenant? Je l'embête. Pauvre bébé. Oups, pardon, j'ai mis mon doigt là. Luna, tu dis bonjour? Hop, et voilà, on s'étire. Et voilà. Comment ça va? Tu dis bonjour à tout le monde? Ouais? Ouais. Elle est tellement belle. En tout cas, c'est ça. Je voulais juste vous montrer Luna ce matin. Moi, je vais retourner travailler là. Et puis, je vous retrouve à midi ou ce soir, juste après le boulot, là, pour vous montrer ce que j'ai fait sur mon petit DP partiel. Donc, voilà. Donc, à tout de suite. Alors, je vous retrouve avec ce DP. Comme vous pouvez voir, j'ai fait toute cette section hier soir et là je suis dans cette section. Je filme le midi, mercredi midi. Et en ce moment je suis en train de travailler avec cette couleur. Une jolie turquoise. Donc je vais rezoomer. Comme ça. Ok, ouais, c'est midi, donc je sais pas, je pense pas que je vais rester trop longtemps non plus. Mais je me suis dit que je pourrais faire un petit segment aujourd'hui le midi et je vais en faire un aussi certainement ce soir. Je vais mettre la lumière, j'espère que ça va pas affecter ce que vous voyez à la caméra. Non, ça va. Donc oui, j'ai pas beaucoup travaillé sur ce DP hier soir, pour être honnête. J'ai été au téléphone pendant 2 heures avec ma tante et du coup, ben ouais, j'ai pas fait autant que ça. Mais c'est pas grave. Je veux dire, j'ai ce midi, j'ai un petit peu ce soir aussi avant 4 heures. Donc ouais, à 4 heures ce soir, je vais voir quel diamond painting je vais faire. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui a été choisi. Et ouais, je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui ont laissé des commentaires sous la vidéo. J'apprécie vraiment. Je vois que j'en ai eu pas mal d'ailleurs. Et c'est ça. Donc en attendant, je travaille sur ce petit DP. Alors, j'avais quelques petites choses à vous dire. Ouais, je vais commencer avec. Alors, je vous ai parlé de Craftably hier, comme quoi j'avais reçu une facture de FedEx. Alors, le propriétaire m'a répondu et il m'a dit qu'il allait couvrir les frais de FedEx. Donc, j'étais contente. Il va les couvrir pour cette commande. La deuxième commande que j'ai passée, j'ai reçu les DP déjà. J'ai déjà fait les unboxings. Ils sont sur YouTube, mais ils ne vont pas sortir avant. Je crois qu'il y en a un qui va être mis. Alors le 16 octobre et l'autre le 30. Vous allez voir, ce sont deux sirènes. Il y en a une qui est immense. Et d'ailleurs, ben, je me rappelle, la commande c'était pas donnée. Et là, je pense pas qu'il va me rembourser les frais de douane avec cette commande-là. Mais c'est déjà bien qu'il me rembourse les frais de la première commande, donc je suis contente. Et il m'a donné des points aussi, parce que c'est un système de points sur Craftably, comme Diamond Art Club. Il m'a donné des points, donc c'est bien. Enfin, je veux dire, je vais certainement recommander de eux là, mais je sais pas, commander encore, pardon, de eux, mais je sais pas quand. Mais ça sera pas cette année, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, je voulais vous dire un peu ce qu'il en était. L'autre chose que je voulais mentionner, c'est que ouais, je vais certainement revenir ce soir pour vous faire un petit segment en rangeant les diamants de mon prochain DP. Je ne sais pas encore qu'est-ce que c'est,
Mais je me suis dit que je pourrais faire une petite vidéo ce soir, ranger les diamants avec vous dans les contenants. Et dans le cas où le diamond painting n'a pas d'étiquette, parce que le D est ici, là, le Diamond Art Club, je pense qu'il y en a une, mais les trois autres, je n'en ai pas. Donc je me suis dit que j'en profiterais aussi pour vous montrer comment créer une étiquette dans ma machine. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu comment le faire, parce que je l'avais montré dans ma vidéo quand j'avais préparé mon Treasure Studios Art. Mais je vais vous remontrer ce soir, si c'est pas la Diamond Art Club qui remporte. Comme ça, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ben, ça vous donnera l'occasion de le voir. Parce que c'est une petite machine que j'utilise en fait, que vous pouvez acheter sur Amazon. Donc c'est ça, vous allez voir un autre petit segment aujourd'hui. Et alors, quelque chose que je voulais aussi vous annoncer, c'est que ben, je suis à 88 abonnés sur ma chaîne. Je l'ai vu ce matin et j'étais vraiment étonnée. Et quand je vais avoir 100 abonnés, je vais faire un concours. Alors, je voulais un petit peu en parler parce que je ne vais pas procéder je ne vais pas mettre une vidéo sur YouTube qui va dire concours 100 abonnés. Parce que si je fais ça, je sais qu'il y a des gens qui ne regardent pas la chaîne qui vont venir et qui vont essayer de s'inscrire en fait hein, pour gagner quelque chose. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'annoncer dans une vidéo. Soit mon vlog, soit un unboxing, on va voir. Mais je pense que ça sera dans quelques semaines, là, le temps que. Parce que là, il me reste quoi? Il me reste 12 ou 13 abonnés. Et ensuite, ben, je vais en avoir 100. Et ouais, je vais le mentionner dans une vidéo. Donc comme ça donnera l'occasion aux personnes qui regardent vraiment ma chaîne de gagner. Mais en revanche, alors pour celui qui gagne, il va y avoir une vidéo pour ça, une vidéo séparée. Je crois que j'ai fini avec les deux. Ouais, j'ai fini. Je vais changer de couleur. Ah oui. Hier soir, j'étais fatiguée et regardez ce que j'ai fait dans le 3. J'ai mélangé les deux dans les 3. Alors bon, pour l'instant, c'est encore mélangé, c'est pas grave, mais. Mais à la fin de mon DP, je vais essayer de les séparer. Je crois que j'en ai enlevé pas mal hier soir, mais après ça m'a saoulée là. Et je me suis dit tant pis, je vais prendre que les jaunes dans le 3, mais là il faut pas que je me trompe. Alors. Ouais, du coup, vous voyez les deux couleurs là. C'est pas grave. Donc oui, je parlais oui, des 100 abonnés, comme quoi j'allais pas mettre de vidéo en tant que telle pour le concours. Mais alors, ce que je vais vous demander de faire, c'est que j'ai créé un formulaire Google que je vais vous demander de remplir et je crois que je demande le nom que vous avez sur YouTube parce que souvent c'est pas le même nom qu'on a. Donc je demande le nom YouTube, votre prénom, nom de famille. Votre email, votre adresse email et votre adresse. Et en fait, ce que ça fait, c'est que moi, ça me les met tous ensemble. Donc, du coup, quand je vais faire la vidéo pour voir qui est-ce qui a gagné, je suis capable directement avec le nom YouTube de voir qui c'est. J'ai toutes vos informations pour vous contacter par email et vous envoyer ça par la poste. Donc, ce concours, il va être ouvert à tout le monde. Je limite pas ça aux gens du Canada là. Non, il va être ouvert à tout le monde. Je l'enverrai même en colis accéléré. Je paierai pour vous l'envoyer en colis accéléré avec un numéro de suivi ou de repérage. Et alors, ce que j'ai décidé d'inclure pour ce concours, c'est. Alors, il y a plusieurs choses. Il va y avoir un stylet en acrylique. Mais je ne vais pas vous le montrer parce que je veux que ça reste une surprise. Et étant donné que j'ai vu que 100% de mes abonnés, ce sont des femmes, eh ben, il va être rose. Mais c'est tout ce que je vais vous dire. Il est vraiment beau. Mais j'ai décidé de l'inclure pour ce concours. Ensuite, j'ai décidé d'inclure un washi tape. Je l'attends, je l'ai commandé. Donc, j'attends que je le reçoive.
Et je vais inclure aussi des strass. Donc, il va y avoir des SS10 et des SS8. Donc, les SS10, c'est pour inclusion dans les DP qui ont des diamants ronds. Et le SS8, j'ai pris une autre couleur. Donc, ce n'est pas la même couleur. Et ce sont des strass ronds aussi, mais que vous pouvez inclure dans vos DP carrés. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas ça, mais je vais l'inclure tout de même. Et vous pourriez l'utiliser, vous allez pouvoir l'utiliser. Oui, comme j'ai dit, c'est deux couleurs différentes. Donc j'ai commandé ça ce matin. Et du coup, c'est ça, il va y avoir tout ça. Il va y avoir tout ça à gagner. Mais comme je vous l'ai dit, si vous écoutez mes vidéos, vous allez entendre lorsque le concours va être actif, quoi. Ouais, je vais le mettre sur la chaîne. Je vais en parler dans les vidéos. Donc c'est ça. Si vous écoutez les vlogs, vous allez certainement l'entendre. Parce que en fait, je pense que je vais le mettre dans un vlog. Ouais, je pense que je vais faire ça. Et je vais poser une question. Je vais poser une question, je sais pas quoi là. Et puis si vous répondez à la question dans les commentaires, ben, vous allez être qualifié pour pouvoir peut-être gagner le kit là que je vais mettre. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire à midi. Et comme je vous ai dit, je vais vous retrouver ce soir aussi, pendant que je vais ranger les diamants. Et ouais, j'ai tellement hâte de voir la nouvelle toile, la prochaine toile que je vais faire. Mais ouais. Donc là, je vais retourner au travail. Je termine vers les 3 h ce soir. Je pense qu'après le travail, je vais aller dehors un peu avec Luna. On va aller marcher parce qu'il fait super beau aujourd'hui. En revenant, je vais travailler un petit peu sur ce DP. Ensuite, à 4 h, je regarderai les votes, voir quel DP a été choisi. Et certainement, entre 4 et 5, je ferai ma vidéo. Parce qu'en fait, après, il faut que je cuisine. Donc ouais. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite. Coucou, je vous retrouve ce soir. On est mercredi. Et on vient de finir de manger. Je me suis dit que j'allais attaquer l'organisation de mes diamants pour le projet. Donc vous l'avez déjà vu là, mais c'est elle. C'est elle que je vais faire. Et je me suis dit que j'allais commencer par vous montrer cette machine. Comment ils appellent ça en français? Fabrique des autocollants. Ouais, fabrique d'autocollants en fait, je voulais dire, je pense. Sticker maker autocollant. Donc c'est à ça que ça ressemble. Et là, à l'arrière, vous avez les instructions. Alors, je l'avais déjà montré dans une vidéo, mais pour les nouveaux, là, pour les nouvelles abonnées, je me suis dit que j'allais vous montrer encore comment ça fonctionne. Donc, en fait, ça ressemble à ça. Donc, voilà la marque Xyron. Et votre rouleau, il est là. Donc, c'est venu déjà avec le rouleau. Il y en a encore pas mal. Et ce que vous faites, vous le mettez comme ça parce que c'est là où vous allez. Je vais bouger la lumière pour qu'on voit peut-être un petit peu mieux. Parce que c'est vrai que là, on ne voit pas super bien. Est-ce que là, on voit mieux? Peut-être. Oui, on voit mieux là. Alors, là, oui, c'est là où vous allez tirer en fait. Alors, vous mettez vos étiquettes là, ou ce que vous voulez faire en étiquette ici, et vous allez tirer là. Donc, j'ai déjà coupé la fiche. Donc, j'ai directement coupé de la fiche inventaire qu'on m'a donnée avec le kit. Et ce que je fais, c'est que je mets les symboles vers le haut. Donc, ils sont comme ça. Donc, je les mets comme ça. Et je m'assure que ça soit bien droit lorsque je le place dedans. Je veux pas qu'il soit tout tordu là, non. Je veux qu'il soit bien droit. Donc je le mets jusqu'au bout. Je le pousse pour qu'il aille jusqu'au bout. Je pense qu'il est droit. Et là, je tire la languette.
Et comme vous voyez, là, maintenant, le haut bouge. Donc, je tiens vers le bas. J'espère que ça va rester droit. Alors, vous voyez, maintenant, c'est là. Et ça, vous essayez de le garder le plus droit possible, la partie du haut. Waouh, le... Ouais, le... La largeur était... et voilà, ça bouge, ça. La largeur, c'était... Heureusement que c'était pas plus large. J'ai du mal à le maintenir droit. Vous voyez plus loin. Je crois que je vais essayer de le poser. Ça va m'aider. Donc là, je tire. Mais c'est ça, là, du coup, c'est vraiment au bord, au bord, au bord. C'est ça qui est le plus difficile, je trouve. Surtout que celle-là, elle est large. Ah, voilà. Là, c'est mieux. Ok. Donc là, on arrive au bout. Comme vous voyez, donc c'est, on a tout ce papier dessus. Et là, avec ces petites dents-là, je le tire vers le haut. Pour le couper. Voilà. Et là, vous voyez ce qui vous reste. Et sur, donc ça, je l'ai acheté sur Amazon. Et vous pouvez acheter les recharges. Je pense que c'est très facile à remplacer. Ça sent, je vais pas l'enlever là, mais je pense que c'est très facile à enlever et à remplacer. Je crois que la machine est entre 10 et 15 dollars. Si je m'en souviens là, je vais vous mettre le lien de cette petite machine dans la barre de description là sous la vidéo. Et vous pourrez aller voir là, vous pouvez aller vous en commander une. Et moi je trouve ça bien pratique pour les kits qui ne contiennent pas d'étiquette parce que du coup ben c'est ça le fait pour vous. Donc là je presse bien, je mets de la pression comme ça. Et je tire le papier plastique qui s'est placé en haut. Donc comme ça, ça s'est pas bien adhéré là. Okay. Parce que vous voulez être sûr que ça soit bien adhéré. Peut-être que je vais essayer d'ici. Ouais, ça fonctionne bien. Et là en fait, tout autour là, parce que c'est ça qui avait l'autocollant dessus. Donc, quand on a placé le papier, il s'est mis sous le papier. Mais là, il s'est placé, du coup, sur cette pellicule du haut. Donc, tout ça, en fait, tout le contour est... décollant. Ah, voilà, c'est ça le problème. Ça, c'est le J, là. C'est un peu... Et voilà. Donc, vous avez maintenant votre fiche. Donc, là, on va... Donc, je vais vous montrer ça. Donc, une fois que vous avez ça, vous voulez le garder comme ça. Je vais juste mettre ça à la poubelle. Et alors, admettons... Donc là, on a le numéro 150. Alors, je pense que c'était en rouge. Et on en est pour le 150. Ah oui, alors ça, ce sont les gros sachets. Je vais les mettre de côté. Le 600 aussi, j'en ai beaucoup. J'ai tout ça de 600. Alors peut-être que je vais... Ah, le voilà. J'allais dire que je vais poser la vidéo pour le faire, mais non, je l'ai trouvé. Alors il est là. Je vais mettre le sac là-bas pour me donner plus de place. Donc là j'ai tout ça que je vais mettre. Je pense que je vais prendre un... Je pense que je vais prendre ça en fait. Ben, on va le faire ensemble. Je vais m'asseoir et je vais... Ben, c'est ça. De toute manière, c'est ça que je comptais faire. Donc... ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à couper mes sachets et les mettre là-dedans. Et s'il y en a moins, là, je vais le transférer dans un plus petit comme ça. Parce qu'en fait, j'ai trois tailles. J'ai ça, ça. Non, je crois que j'ai quatre tailles. J'ai des petits comme ça. Et j'ai aussi des grands grands, là, comme ça. Ça, je vais en avoir besoin pour mes deux... Le 939 et le 600, mais pour celui-là,
Je crois que je vais essayer dans cette taille-là. On va voir qu'est-ce que ça donne. Je vais juste m'assurer que vous voyez ce que je fais. Oui, vous voyez. Ok. Ah, il y a un diamant qui reste là. Donc ouais, là c'est après le repas, il est 7h du soir. J'ai voulu terminer une petite section de mon épée partielle. Je l'ai terminé après le dîner. Le repas du soir pour les Québécois. Et je me suis dit que j'allais commencer à organiser mes diamants. Alors, je ne pense pas être capable de terminer ce soir parce que c'est ça. Là, il est 7h. Nous, on va au lit vers les 10h. Quoi que 7, 8, 9, 10, oui, en 3h, je pense que... Il faut que j'aille chercher mon contenant pour mettre mon plastique. Voilà. On va le mettre juste là. Ouais, nous on se couche vers les 10h, donc du coup, on se lève aussi à 6h du matin parce qu'on commence à travailler à 7h et puis le temps qu'on se prépare, que je sorte Luna, on se couche tôt et on se lève tôt. Mais nous ça ne nous dérange pas parce que du coup la journée elle se termine à 3h. À 3h on a terminé le travail et on a encore beaucoup de temps, hein, c'est bien. C'est bien. Là, on est allé marcher avec Luna cet après-midi. Je crois qu'il faisait 24 degrés. On était super bien dehors. On est allé se promener là, là où on habite. Et à l'arrière, il y a un beau parc. On n'a pas de voisin arrière, en fait. Il y a juste un parc. Et c'est super agréable. On était bien. Il y avait juste assez un petit peu de vent pour que ce soit agréable. On a bien aimé ça, Luna elle a aimé ça. Ça l'a fatiguée parce qu'elle devait avoir chaud avec son poil. On est revenu et puis... Ouais, moi il a fallu que je m'achète un ordinateur parce que mon ordi il a 8 ans et... Il a du mal quoi, je vois que... Il est lent, il est très lent et d'ailleurs j'ai cru aujourd'hui qu'il m'avait lâché parce qu'il voulait plus s'allumer. Et là, je me suis dit, ah mince, les vidéos YouTube et tout, là, comment je vais faire? Et en fait, non, c'est qu'il s'était... La prise dans le mur n'était plus bonne. Et pour qu'il fonctionne, en fait, il faut qu'il soit branché en permanence. Sinon, il ne fonctionne pas. Donc, là, j'ai eu peur cet après-midi. Et de toute manière, là, ça faisait depuis quelques semaines qu'on regardait pour un nouvel ordi pour moi. Et j'en ai acheté un cet après-midi. Donc il devrait arriver dans une semaine. Donc je suis bien contente pour ça. Ah ben vous voyez, alors c'est tout rentré. Alors, ça c'est génial. Mais j'aurais dû compter le nombre de sacs que j'avais. Ouais, j'aurais dû compter. En tout cas, c'est pas grave. Donc celui-là, c'est le 150. Alors maintenant, ce que vous faites avec cette fiche... C'est que, alors je vais venir couper mon numéro, oups, vous voyez pas ce que je fais. Donc je coupe mon numéro 150, comme ça. Et là, quand vous l'enlevez, donc si vous le mettez de la pression là, et que vous l'enlevez, le collant, il est là. C'est pas très collant, hein, mais ça suffit pour, et vous le mettez sur votre contenant, juste comme ça. Là, il restait de l'écriture là en haut, mais c'est pas grave. Donc voilà, et ensuite vous le placez dans votre. Donc moi je fais ça par ordre croissant. Donc du coup, le premier, ben, je le mets là. Par ordre croissant de DMC. Et là, je vais continuer. Je vais continuer avec le prochain numéro. Donc là, je cherche le 152. Donc oui, je sais plus qu'est-ce que je disais. Ah oui, ben c'est ça, que j'attends mon nouvel ordi, il va arriver dans une semaine et du coup, ben ça va être plus rapide là quand je travaille sur mes vidéos et tout, parce que c'est vrai que là, c'est... Je crois que mettre le vlog le week-end dernier, ça a pris 8 heures pour produire la vidéo dans mon logiciel. Ça a pris toute la nuit, donc c'est pour ça, je pense qu'il n'est pas sorti avant samedi.
parce que ben, c'était lent. Et là, mon mari me dit, mais si tu avais un meilleur ordi, ça serait mieux. Et il a raison, donc c'est ça. C'est ce que j'ai fait ce soir, j'en ai acheté un. Bien que je voulais pas, là, je voulais garder mon argent pour d'autres choses, mais bon. Je crois que c'est le temps. Après 8 ans, 10 ans, ouais, 8 ou 10 ans, là, c'était le temps. C'est quoi? Ça s'appelle jeter. Donc voilà, et on a mangé la recette que je vous ai montrée en début de vidéo. Le halloumi, là, c'était excellent. C'est régalé. Et du coup, on en a assez pour notre repas. On a décidé de le garder pour vendredi midi. Au lieu de demain midi. Comme ça, on va pouvoir acheter du halloumi. Demain, je vais ramasser les courses. Donc ouais, on va racheter du halloumi. Comme ça, on aura un petit peu plus. Alors, le 154. Le 154, c'est ça. C'est un joli... un joli violet, un violet un peu plus foncé. Donc celui-là, j'en ai un peu plus, donc je vais le mettre. Je vais essayer de le mettre là-dedans, on va voir si ça passe. Donc ouais, la recette était excellente. On s'est régalé. Et c'est ça, oui, donc je disais qu'on va acheter du halloumi. J'ai fait assez de carottes, de trucs comme ça, pour que ça nous fasse un autre repas. Donc ça, c'est bien. Ça a l'air bien, hein. Je les regarde comme ça, là, elles ont l'air vraiment bien. Je pourrais peut-être les mettre dans un... pour vous montrer la qualité dans un plateau. Ok, on va regarder ça. Ah oui, ils sont super bons. Alors voilà. Oups. Attendez. Je vais essayer de... Il s'aligne super bien. Je ne sais pas si on voit là. Ça a l'air d'être assez sombre à la caméra. Je pense qu'on voit. Mais ouais, c'est... Comme vous voyez, ça s'aligne très bien. Parce que si les diamants n'étaient pas bons, ça ne s'alignerait pas. S'il y avait des petits morceaux sur le côté qui dépassent, là, ça ne s'alignerait pas. Et il brille bien. Donc, je pense que ça va être bien. Je pense qu'il va être agréable à faire, ce diamond painting. Ah, il en reste un. Ouais. Et demain, donc demain rebelote, travaille encore. Et là, vendredi, ben, on a décidé de prendre la journée, une journée de vacances pour nous faire une grande fin de semaine. Donc on a hâte. On n'a pas vraiment de plan pour l'instant, mais ça se pourrait qu'on aille balader là, proche de chez nous. Il y a des jolis endroits pour aller balader. Je crois qu'on peut emmener la chienne aussi. Donc ça se pourrait qu'on fasse ça ce week-end. On fasse une petite un hike. Je ne sais plus qu'est-ce que c'est en français. Une randonnée. Une randonnée. Parce que bon, ouais, on va avoir 3 jours. Donc on se dit, ben si un jour on peut sortir, être actif. Il y a toujours un jour où on reste à la maison pour faire ben, ménage et tout ça. Là, cuisson. Parce que moi j'essaie de cuisiner le week-end pour les repas de semaine. Et ouais, on va se reposer, on va prendre ça relax. Manière, nous là, avec cette histoire de Covid, on voit pas grand monde, hein, c'est... ouais, on n'a pas vu ma famille, on voit presque pas la famille de mon mari. C'est long, ça commence à être long là, mais on veut faire attention, donc on voit presque personne. Même mes amis, je les ai vus une fois, je pense, mais on portait tout le masque. Donc, ouais, ça me manque, disons. Et le resto, moi, je refuse d'aller au resto aussi parce que me faire servir par des gens qui portent un masque,
Ouais, ça me... Je sais pas, ça me... Je trouve ça bizarre. Mais non, bon, je vais au McDo, je vais à des endroits comme ça, là, bien qu'on n'y va pas souvent, c'est vraiment une fois de temps en temps qu'on fait ça, là, si on va au McDo ou au Starbucks, ou... c'est une fois tous les... Mon Dieu, le McDo, je crois qu'on y va une fois tous les 6 mois, peut-être. Le Starbucks, j'y vais une fois de temps en temps pour me prendre un café, là, les cafés... C'est quoi le nouveau café de la saison, là? C'est le café à la citrouille, je pense. Citrouille et épices. Je l'adore, il est trop bon. Je suis allée le week-end dernier m'en prendre un, là, je me suis régalée. Mais ouais, qu'est-ce qui se passe, là? Ah, tu m'as fait peur! Mon mari, il est derrière moi. Tu m'as fait peur. Je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai pas entendu mon mari arriver derrière moi. Je vois Luna qui est couchée à côté. Elle dit rien du tout. Elle a même pas capté qu'il est rentré dans la chambre. Et lui, il est à côté de moi, me regarder. Il devait se demander, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle, qui est toute seule à parler? Elle parle toute seule. Je lui ai même pas dit que je filmais ce soir. Est-ce que tu voulais me parler? Oui. Ah, attendez, je reviens. Je pose la vidéo, je reviens. Bon, il voulait écouter la télé, il se demandait si on allait entendre. Je sais même plus qu'est-ce que je disais. Alors, je vais pas rester longtemps là ce soir parce que bon, je veux dire, c'est pas très intéressant de regarder ce que je fais là, mais je voulais vous dire aussi que à la base, mercredi prochain, j'étais censée mettre une vidéo sur la façon dont je mets un DP dans un portfolio. Mais j'ai de plus en plus de demandes de gens qui me demandent la vidéo pour voir les rendus de différentes tailles pour les DP là. Donc je vais changer les dates. La vidéo pour le portfolio, comment mettre un DP dans un portfolio, je vais la mettre dans quelques semaines. Je veux dire, c'est pas pressé. Et mercredi, je vous mettrai la vidéo sur les Pixel Stitch. Je ne l'ai pas encore filmé. J'avais filmé une fois, mais j'étais pas contente. Donc il va falloir que je la refilme. Et je vais le faire ce week-end, cette fin de semaine, parce que je me suis dit que j'avais le temps, étant donné qu'on est à la maison pour 3 jours. Et c'est ça, donc vous allez la voir mercredi, et je la publierai certainement tôt le matin. Donc du coup, pour les Français, vous allez le voir quand vous vous réveillez, si vous ne travaillez pas. Donc comme ça, ça sera fait, parce que ouais, je vois sur les groupes Facebook aussi, on me demande beaucoup. Donc ouais, j'ai décidé de la mettre plus tôt que prévu. Parce qu'à la base, je pense que j'allais attendre 3 semaines, mais non, je vais changer ça. Donc voilà, je crois que je vais vous laisser pour ce soir. Moi, je vais essayer d'organiser tous mes diamants. Je ne sais pas si je vais y arriver. On va voir. J'aimerais ça. Mais demain soir, je devrais vous retrouver avec le DP. Je pense pas qu'il sera commencé. Je pense que je vais le commencer avec vous. Et comme ça, ben, je vous montrerai la qualité des symboles en travaillant dessus. Je vais utiliser, je pense, une tablette lumineuse. Je vais essayer de faire ça à plat, comme ce que je fais là, et pas sur la petite tablette inclinée. On va voir comment ça fonctionne. Donc voilà. Donc c'est ça. Donc je vous retrouve... Pour vous, ça va être une seconde, mais pour moi, ça va être le jour d'après. Donc, à tout de suite. Alors, je vous retrouve. On est jeudi le 24 septembre et j'ai la toile devant vous. Donc, vous avez vu, je ne l'ai pas commencé hier soir. Je vais en parler un petit peu plus. Mais j'allais commencer à couper ma section. Mais avant de faire ça, j'allais vous montrer... peut-être que je vais...
juste faire ça. Donc, ce que j'ai fait à midi, c'est que j'ai mis le washi tape tout autour. Juste là, comme vous voyez, parce qu'il y avait pas mal qui dépassait, pas mal d'adhésifs qui dépassaient des quatre côtés de l'image. Donc, j'ai mis mon washi tape comme ça. Tac, vous voyez ce côté aussi. Et ce qui est bien, c'est que ça collait bien parce que ben, il y avait assez d'adhésif pour que le washi tape colle. Et j'allais, donc c'est ça, j'allais couper. Alors attendez, que je replace ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la tablette lumineuse ici en dessous, au max, je crois. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, et quand on met la tablette lumineuse, ce qui est bien, c'est qu'on voit les... Je sais, on ne va pas le voir à la caméra. Ça ne sert à rien que je fasse ça parce qu'on ne va pas le voir. Mais ce qui est bien, c'est qu'on voit la grille. Donc je vais vous avancer un petit peu. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais couper une section de 10 par 10 cm. Donc pour ceux qui commencent le diamond painting, je ne sais pas s'il y en a sur ma chaîne qui commencent le diamond painting. Mais je mets la tablette lumineuse pour pouvoir voir où sont mes lignes. Parce que ça, c'est un DP avec des diamants carrés. Et quand je regarde pour mon 10 cm, donc là, je le mets là. 10 cm, ça arrive là. Donc là, je vois qu'il y a une ligne. Parce que je ne veux pas couper sur un symbole. Je veux couper sur... couper au niveau de la ligne. Alors attendez, là, voilà, et je vais couper toute cette section. Je coupe pas trop fort non plus, je mets pas trop de pression pour ne pas couper la toile, juste le papier opaque. Je vais juste m'assurer qu'on puisse enlever ou que je puisse enlever. J'aurais pu couper un petit peu plus. Et je fais pareil dans l'autre de l'autre côté. Donc je regarde pour 10 cm à peu près. Et je coupe au niveau de ma ligne. Je crois que je vais mettre un peu de... Oh, on dirait que c'est pire avec ça. Je vois pas très bien, je sais pas pourquoi je vois pas très bien. Ok, je pense que c'est bon là. Donc là, je coupe encore mes 10 cm. Moi, j'aime bien faire travailler sur du 10 par 10. C'est vrai que quand j'achète, quand je mets ces papiers, le papier opaque sur les colles, la colle qui a été coulée, ben c'est des 10 par 15. Donc bon, je le laisse là, mais ma préférence c'est du 10 par 10. Et là, j'enlève comme ça. Donc comme vous voyez, j'espère qu'on voit tout ce que je fais là. Vous voyez ce que je fais. Oui, vous voyez bien ce que je fais. Donc là, du coup, quand j'enlève, voilà, ça se coupe bien. Et voilà. Alors là, je pense qu'on le voit, mais il y a une rivière là. Hein. Vous le voyez à la caméra. Juste là. Donc je vais faire comme ça pour vous montrer comment moi je le fais. Je pense que tout le monde le fait d'une manière différente. Mais c'est que je regarde où est ma ligne et je coupe avec mon cutter comme ça tout le long. De ma rivière. Ou de la rivière. Ah. Jusqu'à ce que... Voilà, c'est bon. Et ensuite, avec ce côté-là, là, je l'aplatis comme ça. Et là, ça s'aplatit bien. Il y a quelque chose là qui s'est... Ouais, et là, c'est bien plat. Donc, si je mets le doigt dessus, il n'y a rien qui dépasse. Voilà, donc là j'ai ma section, je vais mettre ma règle sur
sur le côté. Je vais juste mettre ça là pour que ça tienne la toile en place. Donc moi, je travaille à l'envers en fait. Donc là, ça c'est la section en haut à gauche de l'image. Donc on est dans cette section là. On est dans cette section juste là. Et on voit un petit peu de son chapeau. Voilà. Alors hier soir, ça m'a pris de 7h jusqu'à 9h15 pour organiser les diamants. Et les voilà, je vais vous les montrer. Je sais que j'ai exposé ma colle là. Laissez-moi juste remettre ça. Juste comme ça. Mais les voilà les couleurs dans ce kit. Voilà les couleurs. Oups, il y a tout qui est tombé. Elles sont trop belles. Oh là là. Alors, tous les 600, je suis arrivée à les mettre. En revanche, les 939, il en reste là. Il reste tout ça. Et quand je suis arrivée au 3774, tout le reste, en fait, c'était en très très petite quantité. Et il ne me restait plus... Il ne me restait plus des contenants de cette taille-là, là, comme celui-là, le tout petit. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je les ai mis dans ces petits trucs, là, comme ça. Et j'en ai un là, j'en ai gardé un vide pour pouvoir mettre tous les diamants qui sont pas bons. Pour voir à la fin, là, qu'est-ce qu'on avait. Et c'est ça. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dans ces petits contenants, comme ça. Mais ouais, ça m'a pris 2h15 pour les organiser. C'était super long. Je vais remettre ça là et on va commencer à travailler sur cette toile ensemble. Donc je vais commencer avec... Avec quoi je vais commencer? Avec le cul. Ah voilà, c'est le 415. Donc c'est du gris. Alors oui, je disais qu'en fait ça m'a pris 2h15 pour tout organiser hier, de 7h à 9h15. Et bien que j'avais très envie de commencer à travailler sur ce DP, ben j'ai... Non. Je suis allée au lit parce que je me suis dit, ben, ça sert à quoi que je travaille sur ça si je suis crevée. Je vais travailler dessus pour 10 minutes et ensuite je vais aller au lit. Donc, ouais, j'étais très excitée là. Mais, donc c'est ça. Ce matin, j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, on a travaillé aujourd'hui, donc et ensuite on s'est arrêté à midi pour manger. J'ai préparé ma toile et là on s'est arrêté à 3h. Et il a plu en fait aujourd'hui. Il faisait pas très beau, donc on n'est pas sorti. On a juste laissé la chienne derrière là. Il y a assez de terrain qu'elle puisse. On a un grand jardin, donc elle peut courir. Mon Dieu, j'avais que deux culs là-dedans. Ah non, il y en a un troisième là. Peut-être que j'aurais dû commencer avec quelque chose d'autre. Mais il n'y en a pas beaucoup. Alors en fait, dans cette section-là, là, je vois, c'est des changements de couleur en fait. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut utiliser les embouts avec plusieurs diamants. Les diamants se placent très bien sur la toile. Ouais, je pense que c'est tout avec le cul. Et là, c'est ça. Donc, comme j'ai dit hier, nous, on est en vacances, là, des mini-vacances. Une longue fin de semaine, donc ça va nous faire du bien. J'ai regardé sur... Ben non, en fait, on a reçu un email là, du travail qui recommandait des endroits pour aller marcher, aller faire des randonnées. Donc ça se pourrait qu'on aille dans un des endroits là que j'ai noté sur... J'arrive pas à parler, mon Dieu. Il y a trois endroits qui sont recommandés, donc ça se pourrait qu'on y aille. Et si on peut emmener Luna, on va l'emmener, on va voir. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aimerait faire ce week-end, cette fin de semaine. Et sinon, on n'a pas d'autre plan pour l'instant. Là, on va voir. Je pense qu'on va aller aussi au marché pour acheter
Ah, comment on appelle ça? Du maïs en épi. Oh, on adore ça, nous. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on va faire. On va aller au marché en acheter. Parce que là, c'est presque terminé, je pense, la saison de ça. Donc, on va en profiter. On va prendre une demi-douzaine et puis ça nous fera quelques repas. Et ouais. Donc ça, c'est le plan. Et sinon, alors... Ah oui, quelque chose que je voulais mentionner. Alors là, vous allez voir, comme je l'ai dit, des unboxings tous les lundis et les vendredis. Alors là, je travaille parce que j'ai beaucoup de vidéos sur mon ordi. Je travaille, je les produis en fait. Je les produis pour pouvoir les mettre sur YouTube parce qu'il faut que j'enlève des segments, que je rajoute des images ou des trucs comme ça. Et du coup, ben, ça prend du temps. Et je me suis rendu compte là, aujourd'hui, qu'en fait, vous avez des vidéos jusqu'en décembre. Y en a jusqu'en décembre. Donc là, ce que j'essaie de faire pour les semaines qui suivent là, il va y avoir beaucoup de compagnies différentes. Parce que moi, mon but, c'est de vous faire découvrir. De vous faire découvrir différents vendeurs, différentes compagnies. Mais alors ensuite, je pense que novembre, décembre, vous allez voir beaucoup de Diamond Art Club. Parce que ben j'en ai reçu beaucoup et c'est ça. Et ça fait des. Du coup, j'ai toutes ces vidéos. Mais au moins, c'est bien parce que j'ai du contenu pour ma chaîne. Donc, ouais, là, vous allez avoir des compagnies comme. Je vais vous le dire. Parce que j'ai ma fiche là. Oups. Alors, il y a quoi? Il y a du Mien que vous allez voir vendredi, donc vous l'auriez déjà vu. Il va y avoir du Craft Ease, du Star Wars. J'ai commandé de Manui, Rachel Store aussi. La vidéo va sortir le 9. Il va y avoir encore du Craftably, du Mystical Diamond Art. Et ensuite, ça va être beaucoup de DAC. Je dis DAC pour Diamond Art Club. Donc c'est ça. D'après mes calculs là, je pense qu'il y a assez de. Je pense qu'il va y avoir assez de vidéos jusqu'en décembre. Pour pouvoir en plus. Et je crois que vous allez en avoir deux par semaine. Mais ça se pourrait qu'en novembre-décembre, ça soit deux par semaine de Diamond Art Club. Donc c'était juste pour vous le dire. Et sinon, c'est ça. Les mercredis, j'essaierai de mettre des tutos là comme d'hab. Des tutos ou des petites toiles, des petits partiels. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de partiels, je voulais vous montrer ce que j'ai fait sur l'autre. Je ne l'ai pas complètement terminé. Donc voilà ce que j'ai fait. Je ne sais pas si c'est trop. Oups. Voilà. Donc j'ai fait ça. J'ai terminé cette section et j'ai fait celle-là, donc il me reste que celle-là. Et là, je me suis rendu compte en fait que j'ai laissé le washi. Du coup, j'ai pas fait les diamants qui sont en dessous, mais c'est pas grave. Je le ferai à la fin. Donc ça, j'estime. Je vais sûrement le terminer ce week-end. Je vais la terminer ce week-end, cette section, je pense. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre un mercredi, certainement. Mais c'est ça, en fait, là, je sais plus quoi faire parce que j'ai tout. J'ai tous ces. J'ai des tutos, j'ai plein de tutos que je veux vous montrer. J'ai des unboxings de crayons, de washi, tout ça, mais j'ai aussi ces vidéos, donc je sais pas. Ça se pourrait que je change un peu ma chaîne et que je. Je sais pas, que je publie peut-être lundi, mercredi, vendredi, dimanche, comme un jour. J'ai pensé le faire un jour de plus, mais. Je sais pas. Je sais pas trop. J'y pense encore, on va voir. Ah, j'ai raté un cul là. Je crois qu'il n'y a plus de C. Je crois que j'ai terminé avec le C. Franchement, les diamants, ils se posent bien, hein. Il y a des petits écarts en revanche, mais. Mais ça a l'air bien. Je vais juste replacer ça. Je vais prendre quelque chose qui a plus de.
N. Le N, il est là. Le N, c'est quoi? C'est du 648. Ouais, donc, ouais, je disais, je sais pas. Pour ma chaîne, là, c'est vrai que j'avais une idée en tête. Excusez-moi, mon mari était derrière moi. J'avais une idée en tête et je sais pas. Ça se pourrait que ça change. Mais vous allez toujours avoir les unboxings le lundi et le vendredi. Ça va rester comme ça. Mais c'est juste pour les tutos et les petits partiels ou les petits unboxings comme des strass ou le washi, tous ces trucs-là. Je sais pas. Peut-être que je pourrais mettre ça le week-end aussi. Mais le week-end, j'essaie de ne pas filmer. Je filme en semaine, je produis mes vidéos en semaine et je les mets sur YouTube, mais le week-end je prends une pause là. Ouais, je prends une petite pause. C'est tout des changements là, mon Dieu. Mais je pense que c'est bien parce que ça va donner beaucoup de définition à l'image. Je pense pas que ça va me prendre tant de temps à faire parce que c'est. Elle n'est pas super grande l'image. Hein. C'est quoi déjà? Du 40 par 70? Je pense que je vais beaucoup en faire ce week-end. Ouais. Mais c'est ça. Je ne sais pas si j'avais d'autres choses à vous mentionner. Ah oui, la recette de ce soir. Si des gens sont intéressés d'entendre ça, on fait celle-là. On fait, pour ceux qui commandent du good food, mon mari m'a dit que c'était québécois. On fait celle-là. Sausage and organic maitake, je pense qu'on dit ça. Mushroom orecchiette. C'est des pâtes. C'est des pâtes. Je vais essayer de... C'est des pâtes avec... qu'est-ce qu'ils mettent dedans? De la saucisse avec... ah, il y a de la carotte dedans. Ah, c'est parce qu'il y a une petite salade sur le côté. Il y a une, je sais pas qu'est-ce que c'est comme type de... Ils appellent ça baby green. Épinard et arugula. Il y a une petite salade et il y a des pâtes. Pâtes, c'est quoi? Donc, c'est saucisse, ail... Les champignons maïtake, du panko. Il y a de la crème aussi dedans. Ouais, ça va être... Mais je pense que ça va être super bon. On n'a jamais fait celle-là, donc on a vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Oups, mon Dieu, j'ai zoomé un petit peu trop. Voilà. On va faire ça. Ils disent que ça prend 30 minutes à faire. Et je pense que ça, encore, c'est une de ces recettes qui se partagent, qui fait plusieurs repas. Je pense que ça va être trop, moi, pour un repas. Parce que souvent, ils en donnent beaucoup, beaucoup. Donc, ouais. Ça, c'est la recette de la soirée. Dites-moi si vous aimez voir des trucs comme ça, là. Les recettes et tout, là. Moi, j'aime bien parler de nourriture. J'aime bien découvrir des nouvelles choses. Moi, j'aime ça, les chaînes, quand les youtubeurs, ils parlent de plein de trucs différents, là. Toujours sympa, on découvre des nouvelles choses, que ce soit pour la nourriture, les ongles. Je sais qu'il y a des chaînes YouTube qui montrent les ongles. D'ailleurs, en parlant de mes ongles là, du vernis, le vernis il est en train de s'enlever là. Les couches là, les étiquettes que j'ai mis, elles s'enlèvent. Ben des étiquettes, ouais. Et c'est ça en fait, hein. Parce que ça colle à l'ongle. Et là, je vais les refaire ce week-end parce que de manière c'est trop long. Et j'arrive pas à... Enfin, oui, j'arrive à utiliser le clavier là de mon ordinateur, mais c'est chiant parce que ça fait du bruit et ça claque comme ça là. Donc je vais les couper bien court et je vais me mettre... Ah oui, alors je vais me mettre celui-là, il est trop beau. C'est un nouveau que j'ai commandé, c'est celui-là. Mon Dieu, je fais presque pas de diamond painting. Alors c'est Essie. C'est celui-là. Ah ouais, d'ailleurs, vous voyez mon ongle là, il est pas beau. Je vais essayer d'enlever ça. Et c'est le... C'est celui-là. Le 190. J'adore la couleur. C'est trop beau pour l'automne, là. C'est vraiment beau. Et j'ai commandé sur Amazon aussi
ce produit. Apparemment, ça fonctionne bien. Oups, je ne suis pas dans la caméra. C'est le Lacquer Drying Drops. Les gouttes séchage rapide. Apparemment, ça fonctionne super bien. On met une goutte ou deux. Et en même pas une minute, je pense que le vernis, il est sec. Donc, je vais tester ça ce week-end. Je vous dirai comment je trouve ça, si j'aime ça ou pas. Là. Mais ouais, on le trouve sur Amazon, ici au Canada. Je ne sais pas si en France, on le trouve. Je vous mettrai le lien, si vous voulez, sous la vidéo. Vous allez pouvoir regarder sur Amazon France s'il y est. Je pense que j'ai fini avec les N. Donc ouais, je vais aussi me vernir les ongles, je vais en profiter. Et on va sûrement finir aussi la série de Blacklist parce qu'on n'a pas terminé. On n'a pas terminé, il nous reste quoi? Il nous reste... Je pense qu'il nous reste 6 épisodes à faire. Donc ouais. Ça se pourrait qu'on fasse un peu de Blacklist ce soir même. On va voir. On va voir comment on se sent. Et ensuite, je sais pas qu'est-ce qu'on va regarder. Je sais pas du tout. On va voir. Mais ouais. Donc, c'est ça. Là, je suis sur le cas, le 3866. Et oui, pour être honnête, là, pour l'instant, les diamants sont très bien. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup la pose aussi. Ces diamants. Les côtés sont bien... sont bien taillés. Donc, je ne sais pas si je vais continuer à faire mes vidéos comme ça à plat. Pour l'instant, ça va, je trouve. Parce que normalement, moi, quand je ne filme pas, je suis sur la petite tablette qui s'incline. Mais je me suis dit pour la vidéo aujourd'hui que j'allais essayer ça. Et voir comment ça me plaît. Mais pour l'instant, ça va. Je vois bien mes symboles. Mais aussi, c'est parce que j'ai la tablette lumineuse aussi. Donc, je pense que ça aide. Et si ça me convient, ben, je vais continuer à filmer comme ça. On va voir. Mais ouais, je vais peut-être vous retrouver demain aussi, vendredi. Comme j'ai dit, pour l'instant, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on fait. Je ne sais pas si on va aller faire notre petite randonnée demain ou samedi. Ça dépend du temps. Je ne sais pas s'il fait beau. Je crois que j'ai vu de la pluie ce week-end. Alors, on va voir. Parce que bon, aller marcher dans de la boue, je ne sais pas. J'ai pas trop envie d'aller marcher dans la boue. On va voir. Parce que là, il a plu pour... Il a plu quelques heures quand même cet après-midi. Donc, ouais. Ah oui, il y a quelque chose d'autre que je voulais vous mentionner aussi. Alors, nous, en tant que youtubeurs, quand on reçoit ces diamond paintings qui ont de la colle type double face, donc comme ce que vous voyez là, le papier... Le papier blanc. En tant que youtubeur, on enlève pour vous montrer la qualité des symboles. Pour voir s'ils sont bien, s'ils sont nets, si on arrive à bien les lire. Mais du coup, quand nous, on enlève, ça crée des problèmes, disons. C'est-à-dire que ça aide pas, que s'il y a des rivières, ben, ça se pourrait que ça empire. Je le sais, ça. Parce qu'on n'est pas censé les toucher, hein. On est censé les toucher vraiment que quand on est prêt à travailler dessus. Donc nous, on enlève le papier opaque pour vous montrer. Pour montrer aux abonnés la qualité du DP. Mais vous, là, je vous conseille de ne pas l'enlever parce que si c'est vraiment pour voir l'image, tournez le DP dans ce sens-là et mettez-le contre de la lumière et vous allez voir votre image. Vous allez voir si la taille est bien ou si elle n'est pas bien. Mais moi, je ne vous recommande pas d'enlever le papier tant que vous n'êtes pas prêt à travailler dessus. Parce que c'est ça, ce DP, quand j'ai fait le unboxing, je ne sais plus s'il y avait des rivières. Je ne pense pas qu'il y en avait. Et le fait que je l'ai enlevé, ben, c'est ça, ça a créé des problèmes.
Et maintenant, j'en ai. D'ailleurs, je l'ai vu quand j'ai mis le washi tape tout autour de l'image. Quand j'ai enlevé un petit peu le papier opaque, ben, j'ai vu qu'il y avait des rivières sur toute la toile, en fait. Mais bon, ça se coupe, ça se... Comment je dis ça? Au moins, oui, ça s'arrange, mais c'est chiant. C'est chiant. Donc, ouais, quand vous les recevez, ne les touchez pas. Juste mettez-les de côté. Et lorsque vous êtes prête seulement, enlevez le papier opaque quand vous travaillez dessus. Mais pas avant. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je vous conseille. Maintenant, je veux dire, vous faites ce que vous voulez, là, mais... Mais c'est ça. D'ailleurs, vous allez voir, là, j'ai mis une vidéo sur YouTube pour lundi prochain, je pense. C'est de la compagnie Craft Ease. L'image est magnifique. C'est une femme encore avec des fleurs autour. Mais alors, il y a une quantité de rivières dedans. C'est hallucinant. Et je pense que si j'avais pas enlevé le papier opaque, ben, peut-être que j'aurais pas eu tous ces problèmes. Mais ouais, l'image, elle est magnifique. Mais je vais passer ma vie à couper des rivières. Mais celui-là aussi, hein, sur lequel je travaille là avec vous, il y en a beaucoup maintenant. Donc je voulais vous le dire, ça, que si jamais vous commandez de cette compagnie, ça se pourrait. Alors maintenant, au Canada, là, les températures changent. Il fait de plus en plus froid. Et je pense que ça n'aide pas non plus. Je pense que les changements de température entre les pays, en fait, lors de l'expédition du DP, ben ça aide pas et ça crée toutes ces bulles parce que les températures fluctuent tout le temps. Donc je pense que je vais me calmer au niveau des DP qui sont faits avec du double face. Je pense que si je commande à partir de maintenant, ça va être du... Comment ça s'appelle? De la colle coulée. De la colle qui a été coulée. Parce que c'est ça, il y a des problèmes avec des changements de température ou quand ça fluctue. Donc ouais. Donc je pense que... Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais continuer à travailler sur ce DP. Pas mal toute la soirée, je pense. Avec un bon verre de vin. Je pense qu'on va ouvrir du vin pour le repas ce soir. Je sais pas si on va ouvrir un rouge ou un blanc. Et ben c'est ça. Je vais travailler dessus en soirée avec un verre de vin. Tranquille, à regarder des vidéos sur YouTube. D'ailleurs, c'est rigolo parce que les abonnés, là, j'ai eu des abonnés à ma chaîne qui ont leur propre chaîne, et bien maintenant je les regarde en fait, les chaînes. Avant, je regardais beaucoup de chaînes anglophones, mais là j'ai découvert plein de chaînes francophones. Alors je les regarde, c'est trop bien. Il y en a des biens. Hein. Donc voilà, je pense que c'est ça que je vais faire ce soir. Juste DP, YouTube, verre de vin, et c'est ça. Sauf si mon mari veut regarder de la télé, on va faire du blacklist, mais on va voir. On va voir comment, qu'est-ce qu'on va faire après le repas. Donc c'est ça, donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et de toute manière, je vous retrouve demain pour faire un autre petit segment, mais ça va être vraiment petit parce que je pense encore que cette vidéo va être très longue. Encore une fois, parce que moi, j'aime parler. Et puis, c'est ça. Donc, je vous dis à tout de suite. Bon, on retrouve aujourd'hui Luna, notre amie, qui est tout le temps là avec nous pour faire du DP, mais aujourd'hui, elle n'a pas de pâte avant. On est vendredi. Je suis en train de faire du diamond painting. Regardez ça. Il n'y a pas de pâte. Il n'y a pas de pâte du tout. Hein, Luna? Tu dis bonjour? Tu dis bonjour ce vendredi? Hein? Ah, voilà, dis bonjour. Bon. Bon, je vous retrouve tout de suite devant mon DP. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, le vendredi 25 septembre. Et voilà ce que j'ai fait hier soir, jeudi soir et vendredi matin. Là, c'est vendredi après-midi.
Donc j'ai travaillé quand même, je pense, jusqu'à 10h, 10h30 hier soir. Et ce matin, donc j'ai travaillé sur ces sections-là. Là. Donc j'ai fini ma première ligne. Et voilà, en fait, là je vous mets l'image. Et j'adore, hein, pour l'instant. J'essaie de rapprocher le... Ouais, c'est flou. Mais j'adore. J'adore les couleurs qu'ils ont mises là. Les dégradés, c'est nickel. Mais ça encore, c'est parce qu'ils ont mis 45 couleurs. Donc c'est bien. Je suis vraiment contente. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler maintenant sur la section ici. Là, je vais couper une section de 10 par 10. En fait, 10 du 10, c'est la moitié de... C'est la moitié de ça, en fait. Donc je travaille par quart de ligne. Donc c'est ça, donc je vais couper ma section et je vous retrouve tout de suite. Ok, donc j'ai coupé ma section et je vois qu'il y a encore une petite rivière là. Elle est vraiment toute petite, mais je vais la couper. Parce que je sais que si je coupe pas là et que je place sur ces trucs, ben après les diamants, ils sont un peu surélevés. Et j'aplatis comme ça. J'aplatis tout le temps comme ça. Là, ça va. Quand je touche, ça va. Là, ça va aussi. Alors, je vais commencer avec... Alors, moi, je le vois à l'envers, mais vous le voyez à l'endroit. Mais ça va. Je veux juste voir quelle section je vais faire avec vous. Je pense que je vais commencer par le 4. C'est le 4, c'est en rose, c'est le 600. C'est ma couleur préférée de ce Diamond Painting. Je vais juste en mettre là-dedans. Parce que je pense que j'en ai pas mal. Le voilà. Il est super beau. Je l'adore, ce rose. Alors, j'ai travaillé, ben, comme je vous ai montré, sur la première ligne. Et je trouve que la qualité, elle est très bonne. Elle est très, très bonne. Pour l'instant, j'ai pas de problème avec les diamants. En revanche, j'ai remarqué qu'avec certains symboles, c'est un petit peu difficile. Et j'ai noté lesquels. Attendez, avant que je commence mon DP. Alors, c'est le D et le B. Je ne sais pas si on le voit là. Je vais regarder. Le D et le B. J'en vois pas là. Donc là, j'ai pas ces symboles-là à vous montrer. Ensuite, j'avais le 1 et le T. Le 1, on le voit là. Et le T, la couleur, c'est la même. Je les ai là. Je vais vous montrer ça vite fait là. J'ai ça là, comme ça. Et c'est vrai que quand on regarde ça sur la toile, surtout à l'envers, ou quand je... parce que moi, comme j'ai dit, je place ma toile à l'envers, sur le côté. Enfin, c'est vrai que de temps en temps, c'est pas facile à distinguer. Et les autres, c'était les parenthèses. Oui, parce que je travaillais sur une section, je crois la section de gauche, et il y avait la parenthèse qui s'ouvre et qui se ferme. Donc c'est ça et ça. Et comme vous voyez là, c'est deux roses. Et sur la toile, j'avoue que c'était pas facile à distinguer de temps en temps. Donc ça, c'est les petits soucis que j'ai avec cette toile. C'est les symboles, en fait. Ils auraient pu utiliser différents symboles, mais sinon, au niveau des diamants, en tant que tels, ils sont bien. Ils sont très bien. J'ai passé mon rouleau, là, et... Il y en a qui ont popé un petit peu, là, mais je pense qu'ils se sont... Maintenant, ils sont bien adhérés à la toile. Hein. On va voir. Je vais continuer là et puis on va voir comment ça va. Alors oui, comme j'ai dit, aujourd'hui, on est vendredi. Nous, on a pris la journée d'une vacance là. Enfin, ça fait du bien parce que du coup, ce matin, on a pu dormir.
Et aujourd'hui, donc ouais, on voulait aller faire une randonnée. Je pense que ça va attendre à demain parce que il a plu. Il a plu jeudi et du coup on s'est dit si on va pour une randonnée aujourd'hui, on avait peur qu'il y ait de la boue, je pense que je l'avais mentionné hier. Donc on va y aller demain. On va sortir demain. Et du coup ce matin j'en ai profité pour faire la vidéo au niveau des toiles là, pardon, des tailles de DP. J'en avais déjà parlé là, le logiciel ou le site Pixel Stitch pour déterminer la taille des DP lorsque vous achetez d'un site qui propose plusieurs tailles. Donc j'ai fait cette vidéo ce matin. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, alors j'ai reçu un diamond painting d'une compagnie qui s'appelle... Alors attendez. Alors, ça s'appelle The Diamond Painting Factory.co.uk. Et ouais, je l'ai reçu vers les quoi? Vers les... Juste avant le lunch, je pense. Vers 11h. Et après qu'on a fini de manger à midi, j'ai tourné la vidéo. Alors... La toile là, l'endos de la toile était dégueulasse. C'était vraiment, il y avait des cheveux, il y avait des poils, il y avait des taches, il y avait des diamants, il y avait des. Je pense que les taches c'était des pains en fait. Hein. C'est des gens qui ont marché dessus. J'étais vraiment déçue de la toile. Hein. Maintenant, l'image est belle, hein. L'image est super belle. Mais alors l'endos c'était, mais ouais, c'était dégueulasse, dégueulasse. J'étais pas impressionnée par ça, mais sinon le reste ça va là, c'est, je veux dire, c'est une belle toile, il y a de beaux diamants et tout là, mais ouais, donc j'ai filmé ça et je sais pas quand est-ce que la vidéo va sortir, mais là j'ai calculé avec mon mari pour les unboxings et je pense que vous avez entre 4 et 5 mois de vidéos de unboxing 2 fois par semaine. C'est, je sais que c'est immense. C'est parce que j'en attends encore en fait. J'en attends de Diamond Art Club. Je crois que j'en attends deux de Mary's Diamonds. Et d'autres compagnies que je vais vous faire découvrir avec lesquelles ils ont des contrats avec des artistes. Mais ouais, on a calculé et je pense que vous avez jusqu'en février prochain même peut-être. Alors j'arrête. J'arrête d'acheter à ce point-ci. J'arrête complètement parce que c'est trop. C'est beaucoup trop. Et chez moi, en fait, j'en ai déjà beaucoup. J'en ai déjà beaucoup que j'ai jamais unboxé sur la chaîne parce que ben, je les avais achetés avant que j'avais commencé ma chaîne. Donc j'arrête d'acheter. Pour l'instant, jusqu'à l'année prochaine. Au moins jusqu'à l'année prochaine. Les seuls trucs que je vais acheter, c'est... Peut-être des cadres si je décide d'encadrer certaines de mes diamond paintings. Ou des trucs qui sont reliés aux diamond paintings. Comment ça s'appelle? Les systèmes d'organisation pour les diamants. Ou des trucs comme ça là. Mais je pense que je vais arrêter d'acheter des DP parce que j'en ai juste trop. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, donc c'est ça. Donc oui, la vidéo pour les rendus, là, les rendus de Diamond Painting pour déterminer la taille, celle-là va sortir mercredi. Je vais la produire. Mais en fait, non, je pense que j'ai rien à faire. Je pense que j'ai pas besoin de la mettre dans le logiciel. Je pense que je peux juste la publier comme ça sur YouTube. Donc je vais la mettre pour mercredi matin. Comme ça, vous allez voir comment faire ça. Et qu'est-ce que j'avais d'autre? Ouais, la vidéo, comme je vous ai dit, le unboxing que j'ai filmé aujourd'hui, ça, je sais même pas quand est-ce que ça va sortir. Il y a beaucoup de segments dans la vidéo, donc il va falloir que je la mette dans mon logiciel pour mettre tous les segments ensemble. Et je pense que c'est ça pour l'instant, parce que j'ai rien reçu d'autre. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre?
Je crois qu'il y avait quelque chose d'autre que je voulais mentionner. Ah oui, je n'ai pas encore fini mon petit partiel là, que je vous avais montré en début de vidéo. Je pense que je vais le finir demain soir, peut-être, quand on va revenir. Parce que ouais, demain on sort, ça c'est sûr et certain. Parce qu'il va faire super beau. On voulait sortir aujourd'hui, mais on est bien aujourd'hui, je pense. Il fait beau là, mais je sais pas. J'étais occupée avec des vidéos. Je voulais finir la vidéo de mon vlog là, ce que vous regardez en ce moment. Parce que c'est ça, j'ai peur que ça me prenne 8 heures à produire. Donc je me suis dit le plus tôt que je le fais et le plus tôt que je vais pouvoir produire la vidéo pour la mettre sur YouTube. Parce que je pense que ça va me prendre encore 8 heures à télécharger. C'est long, c'est très long. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire ça cet après-midi. Et c'est ça. Ah oui, ce matin, j'ai fait mes ongles. Donc, j'ai fait le essai que je vous ai montré hier. Voilà à quoi ça ressemble. J'adore la couleur. C'est très joli. Et alors, j'ai essayé ces gouttes que je vous ai dit. Elles sont où? Je sais les trouver. J'ai essayé ça, ces gouttes que je vous ai présentées hier. Oups, pardon. Comment ça s'appelle? Drip Dry de... Au pays, ça fonctionne très bien. C'est, j'ai mis une goutte sur les ongles les plus petits et une goutte sur les ongles les plus gros là. Et en moins de 5 minutes là, c'était sec sec sec. C'était génial. Donc du coup, ben je sais que les prochaines fois là que je vais faire mes ongles et que je suis pressée, je peux l'utiliser. Mais j'ai quand même mis une couche. Comment ils appellent ça là, les couches? Donc il y a la couche de base que vous mettez avant de mettre le vernis. Ensuite vous mettez. J'ai mis deux couches de vernis et j'ai mis le. Je crois qu'en anglais ils appellent ça le top coat, le vernis de protection. Donc j'en ai mis du vernis de protection et ensuite j'ai mis les gouttes. Et en. Mon Dieu, c'était tout était fait très rapidement. Hein. Je crois que j'ai tout terminé en un quart d'heure. Alors que d'habitude, ça me prendrait certainement une heure à faire tout ça. Parce que je laisse bien sécher entre mes couches de vernis. Mais là, non. Là, non. J'ai laissé sécher peut-être quoi? 3-4 minutes entre chaque couche. À la fin, j'ai mis mes gouttes et c'était. 5 minutes plus tard, c'était sec. Donc je recommande, s'il y en a d'entre vous qui aiment faire vos ongles, là, c'est vraiment bien. C'est vraiment superbe. Et c'est ça. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, on a mangé les pâtes hier soir. Mon Dieu, c'était bon ça. La recette que je vous ai montrée, c'était super bon. On s'est régalé. Et mon Dieu, la portion que ça a fait. On a assez pour demain aussi. Demain midi. La même portion, la même quantité. Donc il y avait une quantité immense. Donc aussi, s'il y a des gens, il y a des gens qui font le goat food là. Si j'ai des abonnés qui commandent le goat food là, des abonnés du Québec là, je recommande la recette parce que on s'est régalé. Mais alors c'était du travail, hein. Je crois qu'il disait que ça prenait une demi-heure à faire, mais moi ça m'a pas pris une demi-heure, ça a presque pris une heure à faire. Mais c'était excellent. Alors, je crois que j'ai fini avec l'embout de 4, je vais passer avec l'embout de 3. Et ce soir c'est la troisième recette. Alors qu'est-ce qu'on fait ce soir? C'est ça. Je sais pas s'il va falloir que je. Tac, comme ça. Oups. Attendez, je vais essayer de. C'est ça. Indonesian style beef noodles. With spicy peanuts. Et ça ressemble à ça. Alors, c'est ça, c'est du bœuf avec des légumes et des nouilles et des cacahuètes dessus. J'ai vraiment hâte de la faire celle-là parce que on l'a jamais essayé. Ça va être tout nouveau pour nous. Mais je pense que ça va être bon. Et je pense encore une fois que ça va nous donner deux repas. Je serais pas étonnée si ça nous donnait deux repas. Donc ouais, ça c'est la recette de la. La recette du soir. Ah, là j'en avais quatre. Mais ouais, comme vous voyez, ça s'aligne bien, hein. J'utilise des têtes de 3 et de 4 là. Enfin, moi j'appelle ça des têtes là, ces trucs comme ça là, mais. Ou des embouts pour placer plusieurs diamants. Diamants, pardon.
Ça fonctionne très bien. Est-ce que j'en ai encore? Ouais, j'en ai là. Ouais, j'en ai encore quelques-uns. Donc c'est ça. Et puis à partir de maintenant, je vais plus faire de vidéos d'avancée de mon diamond painting. Il va falloir que vous regardiez les vlogs pour les voir. Parce qu'avant, ce que je faisais, c'est que je faisais une vidéo le vendredi, une petite vidéo pour vous montrer mon avancée. Mais du coup, j'aime bien faire le vlog. Du coup, vous voyez tous les jours où est-ce que j'en suis. Et c'est ça, cette vidéo le vendredi d'avancée, là, vous l'aurez plus. Vous aurez le vlog qui sera certainement publié le samedi à partir de maintenant. Parce que comme je l'ai dit, là, ça me prend un temps fou à publier. Mais peut-être qu'avec le nouvel ordinateur, ça va être plus rapide. Je sais pas. On va voir. Ça se pourrait qu'en quelques heures, la vidéo soit prête à être mise dans YouTube. Mais c'est mon mari me dit que oui, certainement, ça va pas prendre autant de temps. Donc c'est ça. Donc si vous voulez voir les avancées, ça va être dans les vlogs à partir de maintenant. Et ouais, je crois que là, tout à l'heure, j'ai vu que j'étais à 93 abonnés. C'est que des femmes, je crois. C'est que des femmes qui sont abonnées. Ah, ma lumière. Ouais, ça monte là. Hein. Donc ça ne m'étonnerait pas que les 100 abonnés, là, je les ai l'année prochaine. Putain. La semaine prochaine. Et comme je vous ai dit, j'attends des articles là, des trucs que j'ai commandés sur AliExpress pour mon concours de quand j'aurai 100 abonnés, mais je pense que ça va pas arriver à temps, hein. Je pense qu'il va falloir que ça attende un peu, le temps que je reçoive les trucs que j'ai commandés, et puis là on fera sûrement que je vous poserai une question là dans un vlog, et puis vous laisserez la réponse, vous laisserez une réponse en commentaire, et puis. Et puis ouais, je regarderai les commentaires pour voir qui est-ce qui a gagné. Je pense qu'il y a des systèmes là sur Internet où on peut mettre le lien de YouTube et puis il compte les commentaires basés sur un critère. Donc je pense que je vais faire ça. Et ouais, ça monte vite en fait. Et le fait aussi que je suis dans plusieurs groupes Facebook, je vois que les gens. Ce qui est bien aussi des groupes français Facebook, là, j'ai remarqué, c'est qu'on peut partager nos chaînes. Les groupes québécois, canadiens, là, ils veulent pas. Ils veulent pas qu'on partage les chaînes. Donc, par exemple, je vais pas dire le nom, là, du groupe sur lequel je suis, là, mais c'est un groupe québécois. Et ils veulent pas. Ils veulent pas qu'on publie sur le groupe Facebook le nom des différentes chaînes YouTube. Mais j'ai remarqué que sur les groupes français sur lesquels je suis là, c'est génial, hein? On met nos chaînes et puis les gens, ils ont le choix de s'abonner ou de pas s'abonner. Je trouve ça super sympa, moi. Et du coup, ben, c'est ça. Alors, je pense que c'est pour ça que j'ai autant d'abonnés maintenant. C'est que, ben autant. J'en ai pas mal, j'avoue. Depuis que j'ai commencé, je pensais pas qu'après quoi, après. Ça fait peut-être quoi, 5, 4, 5 semaines que je suis sur YouTube? Je pensais pas être à 100 abonnés. Ça, c'est clair. Ça, c'est. Pour moi, c'était une surprise. Hein. C'est vraiment une surprise que je suis à. Enfin, que je sois à. Quoi, 93, 94 abonnés, là, ce point-ci? Je trouve ça génial. Mais c'est ça. Donc, comme j'ai dit, il va y avoir un concours. Bientôt, certainement. Dans les semaines, là, peut-être en. Bon, nous, on est déjà 25 septembre. Hein. C'est hallucinant. Donc, certainement en octobre. Hein. En octobre, je vais faire le concours. Et puis, une fois que je reçois les trucs que j'ai commandés, ben, c'est là que je l'enverrai à la personne qui a gagné. Mais ouais. Donc, quels sont vos plans pour cette fin de semaine? Comment il fait en France, là, dans les différentes régions en France? Est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce que c'est de la pluie, du soleil? J'aimerais savoir dans les commentaires comment c'est, parce que c'est vrai que je regarde pas, moi, la météo en France, hein, je regarde pas qu'est-ce qu'il fait, donc ouais, dites-moi, c'est quoi vos plans pour la fin de semaine?
Est-ce que vous vous baignez encore? Ou est-ce que c'est fini? Parce que nous, on va tout ranger là, hein. On va ranger la table dehors. On a une table avec un parasol. On va couper, on a des lilas, il faut qu'on les coupe pour l'hiver là, parce qu'ils sont trop hauts. Je pense que mon mari il va couper l'herbe. Ouais, je sais pas si ça va être la dernière fois ou l'avant-dernière fois. Puis c'est ça, là, on se prépare à des températures plus fraîches. Et là, en ce moment, là, au Canada, je ne sais pas si c'est comme ça en France aussi, mais c'est la saison d'aller ramasser des pommes. Des pommes et des citrouilles. Je pense pas qu'on va y aller, parce que bon, on n'est que deux, donc faut ramasser une tonne de pommes, c'est pas. Moi en plus, j'aime pas ça des pommes. J'aime que les Granny Smith, c'est tout. C'est pas trop mon truc. Donc je fais pas de dessert avec des pommes non plus, mais. Et la courge ou le. C'est quoi le pumpkin? Est-ce que c'est courge? Citrouille, c'est la citrouille, je pense. J'aime bien faire une soupe. Hein. Une soupe avec un petit peu de sirop d'érable dedans et du curry, c'est trop bon. Mais encore une fois, je veux dire, c'est tellement gros que je sais pas si on va y aller cette année. Ils en vendent aussi dans les magasins, donc je cherche mes quatre là, mais je pense que j'en ai plus. Ah oui, j'en ai un là. Je crois que c'est tout. Je crois que je vais passer au pourcentage parce que je pense que j'ai fini avec le 4. Alors, le pourcentage, c'est le 326. Ouais, les diamants, ils brillent bien, bien aussi, hein. On le voit que c'est des diamants de qualité. Alors, le 3 de 6, voilà la couleur. Mon Dieu, je vous ai même pas zoomé en fait, j'ai remarqué. Tac, comme ça. Voilà. Donc là, voilà la couleur. Super beau. Donc ça c'est le 326, le pourcentage. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, je parlais de citrouille. Hein. Ouais, j'aime bien la soupe à la citrouille, c'est bon. Avec un petit peu de sirop d'érable, comme j'ai dit. Là, ça c'est typiquement canadien. C'est la saison là aussi des soupes. Là. Moi j'aime ça. J'essaie de faire une soupe tous les week-ends pour la semaine. Pour les déjeuners aussi, c'est bien ça, c'est rapide avec un petit morceau de fromage, avec du pain ou un petit morceau de pâté. Là, c'est toujours bon. Donc, ouais, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je crois que j'ai plein de carottes. Je pense que je vais faire une soupe de carottes ce week-end. Carottes gingembre ou carottes cuites, je sais pas encore. On va voir. On va voir ce que j'ai. Alors, il y a encore des pourcentages là. Je cherche là où il y a 4 pourcentages. Là, je peux passer au 3, à la tête avec le 3. Ah oui, quelque chose que j'ai pas mentionné. Comme là, je pense que vous voyez là dans la caméra, j'ai mis un S là sur mon embout ici. Et celui-là aussi, sur le 4, j'en ai mis. Parce que, alors, ce qui se passe, c'est que vous voyez là ce que ça fait. Oups, je sais pas si on va voir. Vous voyez là comme c'est ondulé. Ben, c'est que ça prend la forme des diamants carrés. On le voit là et est-ce qu'on le voit là? Un petit peu, ouais. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'ai des embouts de 3 et de 4 pour des carrés, mais j'en ai aussi pour des ronds. Donc du coup, je mets un S et je mets un R parce que ça prend la forme. Ça prend la forme de vos diamants, je trouve. Donc je les change en fait, je les enlève. Ces trucs-là, je les enlève et je les remets sur d'autres
d'autres stylets que j'utilise. Alors, je suis bien sur pourcentage, là. Oui, pourcentage. Là, il y en a 4, là. Ah, j'adore le faire, ce diamond painting. Mon Dieu, j'adore les couleurs là-dedans. C'est, ben, vous le savez, hein, je crois que le rouge et le rose, ce sont mes couleurs préférées en diamond painting. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je porte pas forcément du rouge ou du rose, mais ouais, dans le diamond painting, c'est, je sais pas, il y a tellement de teintes différentes aussi que j'adore ça. Mais c'est ça, donc je pense que ce soir, je vais certainement terminer ben, cette section, ça c'est sûr et certain. Ça se pourrait même que je termine celle qui est à côté. Demain, je vais finir mon petit partiel. Et puis on va partir en après-midi. Donc l'après-midi, je pense pas que je vais faire de diamond painting, mais je vais en faire en soirée. Sauf si on décide de regarder The Blacklist. Hier, on n'a pas regardé. On n'a pas regardé du tout. J'ai passé ma soirée à faire du diamond painting et à regarder des vidéos sur YouTube. Mais ouais. J'arrête pas de changer. Voilà, là on retourne avec les trois. Ouais, comme vous voyez, les têtes, elles fonctionnent. Ben, les têtes. J'appelle ça des têtes. Ça fonctionne super bien. Et moi, j'utilise que les 3 et les 4. Les autres, j'arrive pas. Je trouve que... Je sais pas. Ça se place mal. J'ai pas encore... Il faudrait peut-être que je pratique. Peut-être que je pourrais essayer le 6. Je pense pas qu'il y ait de 5. Je pense pas que le 5 existe. Mais je pourrais essayer le 6. Je pense que ça serait un bon diamond painting pour essayer le 6 parce que là, vous avez beaucoup de 9. Juste là, là. Là. Donc, je pourrais peut-être avoir un troisième crayon avec un embout pour mettre 6 diamants et voir. Mais pour l'instant, c'est vrai que le 3 et le 4, c'est ceux que j'utilise tout le temps, en fait. Hein. Je les adore. Donc, ouais, je pense pas que je vais vous garder très longtemps. Déjà que je pense que ça fait une bonne vingtaine de minutes que je parle aujourd'hui. Parce que sinon, cette vidéo va être immense. Et je sais, j'ai vu des gens qui disaient comme quoi ils n'aimaient pas trop les vidéos trop longues. Donc, je pense pas que les vlogs, ça va leur plaire du coup. Parce que c'est vrai que les vlogs, ils vont être minimum 1h30. Mais j'ai pas filmé lundi. J'ai pas filmé lundi, mais j'ai filmé tous les autres jours de la semaine. Et en plus, j'inclus des segments de tous les animaux qu'on a dans le... Dans le jardin, dehors, j'inclus des vidéos de Luna, donc bon. Bien que c'est pas très long, ben ça rajoute quand même, hein, ça rajoute du temps sur la vidéo. Donc voilà, donc je vais terminer ça. Et je vous retrouve, c'est ça. La prochaine vidéo, ça va être le prochain vlog que je vais commencer lundi, mais vous n'allez pas le voir avant la semaine d'après du coup. Et c'est là que vous allez voir ce que j'ai fait durant la fin de semaine. Parce que là, c'est ça, je ne publie pas de vidéo avant lundi prochain. Et lundi, il y a un unboxing que j'ai publié. Et puis, c'est lundi que je vais commencer mon prochain vlog de la semaine prochaine, si tout va bien. Donc, c'est ça. Donc, je vous souhaite un excellent week-end. Ouais, je vous souhaite un excellent week-end. Et puis, je vous retrouve dans ma prochaine vidéo, certainement, ben, le unboxing de la semaine prochaine. Et il va y avoir deux autres vidéos aussi, mercredi, vendredi. Et samedi d'après, il va y avoir encore le vlog. Donc, c'est ça. Donc, je vous laisse pour l'instant et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye !